Et salut à tous, c'est Steph et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'Alpha Dharma 3. Oui, je suis tout seul aujourd'hui. Voilà, donc on est sur l'Alpha Dharma 3 que j'ai acheté sur Steam là. La version à 25 euros, donc qui me donne accès à l'alpha, plus tard la bêta et après le jeu en version finale quoi. Donc, Arma 3, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est la suite d'Arma 2, logiquement, hein. Ça pour ça c'est pas trop compliqué. Donc Arma 2 c'était quoi? Donc c'était une simulation militaire, très très pointue à la base, hein, le jeu d'origine, une simulation militaire assez pointue, tout ça. Et donc là le 3 c'est la suite logique avec pareil simulation militaire voilà une grosse simulation militaire surtout que là enfin là voilà c'est comme c'est une meilleure version quoi, vous avez encore plus de trucs, encore plus de réalisme par rapport aux deux, les graphismes sont plus jolis. Bon là je suis pas mon PC n'est plus vraiment une bête de guerre maintenant, donc ce jeu est quand même bon, plutôt gourmand, mais encore ça va, il est quand même pas trop mal optimisé. Il tourne mieux, j'ai l'impression qu'il tourne mieux que le Arma 2 en étant un peu plus joli, même beaucoup plus joli, même là je trouve beaucoup plus joli qu'Arma 2. Et donc voilà, donc il y a plein de choses qui ont été améliorées par rapport à Arma 2, les animations, là vous allez voir quand je suis en mode 1. Voilà, vous voyez déjà l'animation quand on porte le flingue, il y a plein de petites animations comme quand on saute sur les rebords, là hop, petite animation comme ça, après quand on court, hop, il le fait plus vite normalement, bon là il le fait pas plus vite parce que là il a envie de m'embêter, mais normalement il le fait plus vite. Donc voilà, un Arma 2 en bien mieux. Bien plus sympa. En plus, il y a plein de nouveaux trucs. Il y a la plongée aussi, qui fait partie des nouveaux ajouts. Moi, j'ai testé la plongée parce qu'on peut la tester sur une mission. Alors là, je crois que. Oui, alors laissez-moi 2 petites secondes. J'ai fait une bêtise. Alors. Voilà. Hop. Et voilà. Désolé. Là, vous voyez ça, je crois que c'est un ennemi. Ah, je crois que je l'ai eu. Oui, je l'ai eu. Alors, donc là on est sur le mode, je l'ai pas expliqué, on est sur le mode. Alors, c'est quoi déjà ce mode-là? Je lui ai piqué son arme, je peux? Oui, je peux, c'est trop cool. Il avait que ça sur lui? Donc, il avait que ça, il avait ça, et il avait pas de balles. Il avait pas de balles, ça c'est plutôt ballot. Mais il avait au moins ça. Donc on est sur le mode Westland, un mode qui était bien connu sur Arma 2 et qui a déjà été adapté sur Arma 3 pour l'alpha. Déjà, il y en a qui vont très très vite. Mais donc vous voyez, j'étais en train de regarder ce quad. Merde, je me trompe de bouton. J'étais en train de regarder ce quad tranquillement et puis hop, il y a un mec qui est passé. Hop. Non, en plus, on peut lui mettre un silencieux à cette arme, elle est vachement bien, Lyon. Bon alors je sais pas, j'ai peut-être un petit peu fait n'importe quoi quand j'ai essayé de le tuer parce qu'en fait ça laguait pas mal. Alors je sais pas si ça va se voir au niveau de la vidéo. Bon là vous voyez aussi qu'on a un nouvel inventaire qui est très très bien fait. Vous voyez qu'on peut mettre des accessoires, retirer les accessoires. On a une lunette d'ailleurs, tout à l'heure j'avais voilà un viseur comme ça. J'avais chopé un viseur comme ça. On va essayer, et puis vous voyez que, hop, vous allez voir, je vais vous montrer ça, que quand on est sur les armes, là, on se met en vue première personne, donne-moi mon petite arme, voilà, et là, vous voyez, on le voit vraiment, quoi, on voit vraiment les, hop, avec le viseur, et aussi un truc bien, vous voyez, il y a un petit viseur, là, qui est au-dessus, quand vous appuyez sur CTRL et clic droit, et quand vous visez, voilà, vous passez au viseur du dessus, donc CTRL, clic droit, hop, CTRL, clic droit, voilà, c'est super bien fait. Franchement, c'est bien, c'est un truc bien sympa.
Alors moi je vais garder ça comme ça. Et bon allez, on va faire un petit peu de conduite. Ils ont rajouté des petites animations. Le code est assez pourrave là. Ils ont rajouté des petites animations quand on monte dans les voitures et tout. Oula oui. Oula oui. C'est mon quad qui fait n'importe quoi. Voilà, ils ont rajouté donc plein de petites animations quand on rentre dans le véhicule. Ouais, je vais sortir de là-dedans parce que. Je vais le laisser comme ça fera du bruit. Pardon, j'ai cru qu'il y avait un véhicule là, mais il n'y en a pas. Hop, donc on va batailler un pote là. Vous voyez, il est bleu, donc je suis dans la. Sur l'op fort. Il va me flinguer peut-être, hein. Il peut me tuer. Il peut me friendly fire. S'il veut récupérer mon arme par exemple. Donc voilà, donc Westland, en fait, c'est il y a trois équipes. Bon, il y a deux équipes qui se battent l'une contre l'autre et une équipe qui est indépendante. Et voilà, et le but c'est de réussir des missions, des petites missions annexes. Vous avez peut-être dû voir en haut objectif side completed, machin chose là. Donc ça veut dire que vous avez des objectifs voilà, à faire qui apparaissent de manière aléatoire. C'était déjà présent dans Arma 2, le mode Westland, mais là en fait ça a été totalement repris donc et par contre ça a la limitation de l'alpha quoi, parce que sur l'alpha on n'a pas de blindés, on a que des véhicules comme des, on va dire comme des espèces de Jeep. Et après à part ça on a quelques hélicoptères et puis voilà et puis on a quelques armes un bon nombre d'armes. Bon, c'est suffisant pour tester. On va essayer d'aller là-haut sur la colline là. Hop, on va courir un petit peu ici. Regarder à gauche et à droite. Et on va traverser la vallée comme un fou en courant. Je crois qu'il y a un truc là-bas, non? Bon, vous voyez, je joue pas mal en troisième personne. Après, c'est plus immersif de jouer en première. Qui c'est qui se ramène en bagnole? Ah, il y en a un qui utilise un quad. Il est malin. Ah, il me prend. Ah, merci, c'est sympa. Cool. Merci, mon pote. Par contre, il y a l'autre qui se tape la marche à pied. Bon, tant pis, c'est pas grave. Bon, vous voyez, le jeu est quand même très joli. Bon, là, je suis en élevé. Mais je suis pas au maximum. Ça se voit quand on regarde un petit peu loin. Ça, les textures deviennent un petit peu moches. Mais de près, c'est plutôt joli, hein. C'est vachement sympa. Hop, petite balle à mon pote. Ah, on me tire dessus, je crois. Ou alors, c'est des autres qui se font tirer dessus. Wow! Il a failli tuer son collègue. Bref. Bref. Donc voilà, mais je voulais parler aussi de plein de choses dans cette vidéo, donc elle sera peut-être un petit peu longue. Donc déjà je voulais parler déjà des abonnés. Alors des abonnés qu'on a. Alors je remercie déjà tous les abonnés qu'on a. Mais par contre, voilà, on a des abonnés qui nous suivent. Mais le truc c'est qu'on a dans certains abonnés, en fait j'ai l'impression qu'ils sont abonnés juste comme ça pour dire tiens on s'est abonné à ta chaîne. Voilà. Juste par, on va dire, par soutien, mais qui ne suivent pas. Et ça, c'est. Bon, c'est sympa. C'est sympa, mais bon, c'est pas vraiment utile, quoi. Enfin, nous, ça nous intéresse pas tellement. On préfère avoir des abonnés qui nous suivent, quoi. Qui regardent nos vidéos de temps en temps. Voilà, qui mettent des j'aime de temps en temps, des commentaires, ce genre de choses. Des gens qui nous suivent, quoi. Pas des gens qui s'abonnent juste comme ça, qui regardent jamais nos vidéos. Ça sert pas à grand-chose. Là, tu vas en bleu. Ouais, tu en bleu. Hop, vas-y, arrête-toi, stop! Ça va, il a compris. Ah, il s'est arrêté lui aussi. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans la caisse. Pareil, lui aussi. Qu'est-ce qu'il y a dans la caisse? Ah, oh, des lunettes tactiques et un viseur. Ouais. Merde, le connard, il a pris là. Là, je vais prendre les lunettes tactiques. Merde. Une tactique pour la classe. Alors, est-ce que je peux monter là-dedans? Ouais. Par contre, bon, il est un peu pété, mais c'est pas grave. Donc voilà, par rapport aux abonnés, donc voilà, c'est sympa pour ceux qui nous suivent. Donc j'ai un problème. Ah oui, je crois savoir à cause de quoi c'est. Alors, est-ce que ce serait pas à cause de ça? Alors, elle est là, elle est là.
Alors attendez deux petites secondes. Ouais voilà parce que donc j'ai une manette Xbox hein, donc ça fait parfois voilà parce que j'ai voulu tester les hélicoptères et comme je suis comme d'habitude une vraie quiche sur les hélicoptères, c'est plus simple pour moi de les jouer. Pardon, mais ça continue. Bon c'est pas grave, ça va être un petit peu compliqué de. Vol plané. Bref, c'est rigolo de faire du hors-piste. Mais non. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bedouin? Voilà. Alors j'ai encore j'ai une pigne sur une roue. Ah oui, ouais, bah voilà, ça vient de là. Ça vient de là alors. Ce coup-ci, c'était pas moi. Alors, on va aller vers là-bas. Au risque de mourir dans l'atroce souffrance, ce qui est fort probable. On est la manière dont mon véhicule se comporte. On va faire un get-off ici. Là, ici, il y a quelqu'un qui a mouru. Alors, on va y aller discretos. Et ça tire. Il y a un quad à côté. C'est quoi? Ah, c'était un espèce de pick-up. Parce que voilà, le jeu se situe aussi. Oula putain, il y a tout à péter là. Le jeu se situe dans un univers en 2035. Dans un univers, le même univers que nous. Mais dans plus longtemps. Oh, encore un sound suppresseur. Je vais le prendre, ça peut servir. C'est pas les munitions de ça. Ah, si, trop énorme. Ah, trop cool. Trop cool, j'ai trouvé des balles pour mon flingue. Ah ouais, bah il y a le même là, je crois que c'est ça. Hein. Ah non, MXC. Alors, on va pas rester ici parce que... On va vite se casser parce que ça sent la loose. Hop, on va aller se planquer ici là. Est-ce que vous voyez quelque chose? Dites-le moi si vous voyez quelque chose dans les commentaires. Non, je plaisante. Enfin, si, vous pouvez toujours, si vous voulez. Voilà. Oh là, oh là là, des feuilles. Vous voyez, c'est stylé, hein. Enfin, il est bien sympa, le jeu est bien joli, les animations ont été bien retravaillées, hop. Vous voyez, je me lève. Par contre, il n'y a plus de touche. Enfin, j'ai pas trouvé en tout cas la touche pour marcher. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça? Ah non. Ah, c'est cool. Ah, je connaissais pas ça. Alors, je sais pas si ça a été dans Arma 2. Ce que je viens de faire, quand j'appuie sur contrôle et que j'appuie sur avant ou arrière, eh bien, il y a mon personnage qui se met soit debout. Enfin, il choisit une position en fait. Alors soit il se met accroupi, un peu plus élevé, un peu plus abaissé, enfin voilà quoi, vous avez compris. Je sens que je vais mourir très rapidement. Donc voilà, donc par rapport aux abonnés, donc c'était tout ce que je voulais dire. Merci à ceux qui nous suivent, surtout. Merci à vous. Et donc par rapport aussi maintenant à... Voilà, si jamais, bon, on n'a pas énormément d'abonnés non plus. Déjà qu'on n'en a pas beaucoup qui nous suivent. Donc, on n'a pas tellement d'abonnés, donc si jamais vous nous suivez, que vous voyez cette vidéo, voilà, faites parler de nous un petit peu autour de vous, hein, si vous nous connaissez déjà un petit peu, si vous avez vu ce qu'on fait. Et voilà, parlez de nous autour de vous. Et voilà, et si aux personnes que vous parlez ça leur plaît, et ben voilà, vous dites qu'ils s'abonnent, enfin après ils font ce qu'ils veulent bien sûr, hein, mais voilà, parlez-en autour de vous. Alors. Alors, bien sûr, je vais le rater parce que je suis en train de faire une vidéo. Ah merde.
Alors je dirais qu'il est sur la colline. On verra si là il me touche. Ouais. Cette fois, j'ai réussi à en avoir un comme ça. Je me suis planqué dans les fourrés. Donc, ils vont m'embêter un petit peu, ces gens-là, là. Bon, je vais sûrement mourir, hein. C'est ce qui arrive souvent. Hein. Je sais pas si on m'a chopé. Moi, j'arrive pas à le voir. Hein, si vous le voyez, je ne sais pas d'où il m'a tiré dessus. Alors, il va peut-être m'arriver dans le dos, comme ça, en traître. Hein. Donc, du coup, je vais mettre comme ça, là, en vue comme ça. Ça a l'air de venir par là, mais je pense que c'était le mec qui descendait la colline. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vite, on va vite se casser. Pip 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 pip. Hop là, j'ai un point de là-haut. Mais là, il y a un mec dans la baraque. D'accord, c'est bon, j'ai pas. Putain, il m'a tué ce connard. Je sais pas ce qu'il avait comme arme, mais. Il a pas rechargé, là. Ouais, je l'ai vu qu'après il était couché dans l'herbe là. C'était lui qui avait dû essayer de me tirer dessus. Donc voilà. Donc qu'est-ce que je disais? Oui, donc voilà, n'hésitez pas à faire parler de nous, à vos amis, aux gens que vous connaissez. Alors où est-ce qu'on va revenir? Allez, on va aller là. Donc n'hésitez pas à faire parler de nous, à vos amis, aux gens que vous connaissez, tout ça. Donc voilà, on vous fait confiance, enfin, faites ce que vous voulez après, hein, si vous voulez pas en parler, hein. Mais bon, ça nous aiderait un petit peu, quoi. Ça nous encouragerait, voilà. Et toujours, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà, à dire si vous aimez ou pas ce qu'on fait. Voilà, ça nous aidera. Ça nous fera avancer. Hop, alors où est-ce qu'on est ici? J'étais jamais venu ici, non? C'est joli. Un truc bien aussi dans cette arme à 3 là. Qui a été amélioré, c'est qu'apparemment on peut rentrer dans quasiment tous les bâtiments. J'entends des bruits de pas. Je sais pas si je deviens parano. Peut-être. Donc on peut rentrer dans pas mal de maisons en fait. Bon, pour l'instant, dans les maisons il n'y a que dalle. Mais bon, voilà, c'est dans une alpha. Hein, on va pas non plus. Ah, ça tire. On va essayer d'aller voir qu'est-ce qui se passe. Bon, voilà, donc si vous avez vu des bugs. Si vous avez vu des bugs, hein, faut pas s'étonner, hein, c'est l'alpha quoi. Si ça rame comme c'est pas permis aussi, c'est soit mon PC, soit c'est vrai que là ça rame un petit peu sur le serveur. Le serveur est chargé quand même, alors je sais pas quelle touche. Non, je sais pas quelle touche ici pour voir combien il y a de monde dans le serveur. Sur cette arme à 3. Oh, c'est de la bouffe ça. Vous voyez le gros sac jaune là, c'est de la bouffe. Enfin, en principe. On va voir, pick up money, enfin non, c'est des sous, mais c'est tout ce qu'un personnage avait en principe. Parce que vous voyez, vous faites player menu, hop, bon, ça c'est un petit bug, on s'en fout. Il y avait des sous, c'était des sous. On va continuer sur notre petite route de montagne, hein, dans ce paysage fort joli, hein, vous voyez. Bon, l'île est assez petite là pour l'alpha, mais bon, ça suffit. Ah, il y a une voiture là, ça suffit pour commencer, hein, c'est bien suffisant. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas quelqu'un par là. Ça sent le piège ou ça sent la mort là. Je vais mourir. Donc voilà. Et aussi en dehors de ça, je voulais aussi vous parler des projets qu'on a sur la chaîne. Là. Alors là, vous voyez, j'ai un petit bug là par exemple. Je peux pas mettre des trucs dans mon inventaire. Et en fait, j'ai trouvé
un petit comment contrer ce bug. En fait, il faut rentrer dans la caisse. Normalement, ça marche, hein. Je l'ai essayé hier, ça marche normalement. Et vous re-regardez, normalement, vous pouvez le faire bouger. Voilà. Moi, je sais pas pourquoi ça fait ce bug là, mais. Là, vous voyez ça, First Aid Kit, là, c'est des trucs pour se soigner. Alors, là, vous voyez, on a une place. Là, tu vois, vous voyez cet objet, il va prendre beaucoup de place dans mon truc que j'ai sur moi, quoi. Là, j'ai un espèce de gilet de combat, et après, on peut avoir un sac à dos. Hop, donc là, ça rentrera pas. Donc. Ah, il m'a tué, ça va marre. Ah, j'ai dû le toucher une ou deux fois, je crois. J'avais pas grand chose. Vous avez vu comment le style qu'ils ont, hein? C'est un style un peu bizarre. En fait, quand on dirait qu'on a un petit peu des aliens, hein, quand on joue les. C'est l'équivalent, c'est les rouges. Nous, on est les bleus. On dirait un petit peu des aliens. Hein, c'est un peu bizarre. Ah, alors. On va essayer d'aller là. On va essayer comme ça de voir un petit peu plusieurs endroits. Hein. Moi, j'ai pas fait. Je suis pas allé partout non plus. Je crois qu'on est au même endroit. Ouais, je crois qu'on est au même endroit, ouais. C'est cassé ce salopard. J'espère qu'il va mourir. Alors moi je sais pas si vous l'avez vu, mais moi j'ai des gros lags. Enfin c'est peut-être le fait que j'enregistre en même temps que je fais ma vidéo. En même temps que. Alors j'ai vu qu'il y avait des trucs là. J'ai regardé par ici. J'avais des trucs tout à l'heure. Bref, je ne sais plus où est-ce que c'était. J'ai vu des trucs par là. Non, c'est des machins jaunes sur la route. Je ne sais plus où est-ce que c'est. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, allez, on se casse ici. Il m'a fait cramer mes balles, c'est con. Je sais même pas si je l'ai touché. C'est bizarre, hein. Par contre, quand on court. Vous voyez, quand on court, le personnage il court comme un. C'est un petit peu bizarre. Il dirait qu'il a quelque chose de coincé quelque part. Alors, est-ce qu'il va revenir, le mec, avec son. Parce que il y avait un flingue. Oui, il y avait un flingue, mais je crois qu'il n'y avait pas de munitions en fait. Et ça, c'est plutôt embêtant. Ça peut arriver comme tout à l'heure. J'avais. Oh là, il y a une petite base là. Ouais, parce qu'on peut se construire des bases aussi. Bon, là, c'est une base qui commence à être construite, je crois. Parce qu'il y a qui dalle. Donc, que disais-je? Oui, alors on a des projets pour la chaîne. Hein. On a plein de choses. Bon, là, en fait. On était sans un petit peu là, donc on va revenir doucement là, on va se relancer les vidéos là, parce que bon on a déménagé tout ça, donc bon c'est pas pour ça qu'on a une meilleure connexion internet, mais bon on a déménagé, donc du coup ça fait que on pouvait pas faire des vidéos pendant un certain temps, à un moment on n'avait plus le net, je vous raconte pas l'horreur, c'était horrible, bref, maintenant c'est passé, on a le net. Et donc voilà, donc on peut faire des vidéos, on pourra continuer, donc on va continuer petit à petit. Un véhicule en plein milieu de la route, c'est louche. Ah, un piège. Ah, c'est pas sur moi qu'on tirait? Alors ça, hop. Voilà. Est-ce qu'on peut même pas le mettre là, ça? Je sais même pas où est-ce qu'on peut le mettre, ça. Ah, c'est un bleu. Ouais, il m'a fait peur. Il m'a fait peur, ce petit voyou, là. Donc. Ah, un flingue. Bah, il a déjà un flingue, ça n'intéresse pas, alors. Oh non, le connard. Il se casse. Pas le péter. Reviens ici, toi! Vous voyez, il y a un petit bug aussi là. Vous le voyez, là, le monsieur, on dirait qu'il est couché sur son truc. Vous voyez, je crois qu'il a utilisé la même technique. Je veux bien les jumelles, moi, s'il te plaît, mon gars. Le flingue, si tu veux, je te le laisse.
D'ailleurs, le... Ah non, c'est une mitraillette qu'il a laissée. Pourquoi je peux pas prendre les jumelles? Alors parfois on peut les mettre là et après les mettre là. Tu prends pas la ton flingue là? Non. Parce qu'on peut pas transporter deux armes. Enfin, on peut transporter qu'un pistolet, une mitraillette et si on veut un lance-roquettes ou. Attends, hop, on va faire ça. Get out. Je sais pas si ça marche avec l'arrière. Voyons voir ça. Non, ça ne marche pas. Donc voilà, donc on a plein de projets pour la chaîne. On va continuer notre let's play bien sûr sur. On va prendre ça, ça peut servir. Merci mon pote, t'es sympa. Donc on va continuer notre let's play sur Call of Juarez doucement avec le. Dans l'épisode 10 là, que je sais pas si vous l'avez vu, je vous mettrai le lien là dans la vidéo. Donc sur le. Sur Call of Juarez The Cartel, à partir de l'épisode 10, là, on s'est lancé dans un petit projet personnel, dans une double vision en fait. Vous aurez dans la vidéo ma vision et dans un petit endroit de l'écran sa vision, la vision de Lara. Donc ça peut être sympa pour voir un petit peu d'avoir son petit point de vue, d'avoir voilà un petit peu voir ce qu'elle voit. Bon, ça fera un petit carré, mais bon, le truc c'est que voilà, nous faire deux vidéos à chaque fois, ça vous ferait deux vidéos à poster. Oh, il y a une ruine. Un hélicoptère retourné. Bravo. Ah, il y a de la monnaie à côté. Peut-être qu'il va s'arrêter pour la prendre. Ah, il y avait un monsieur là. Oula. Oula, oula, oula. Bizarre ça. Vous avez vu pareil que moi. Bref, donc c'est pas trop grave. Donc voilà, donc on a notre let's play sur Call of Juarez avec voilà la playlist si vous voulez, je vous mettrai le lien aussi. Donc moi je continuais personnellement mon let's play sur Marcos the Ninja, un jeu que j'aime bien, qu'il faudrait que je me refasse les vidéos dessus là parce que bon. C'est bien beau, mais j'ai pas fait d'autres vidéos en fait. Et donc voilà, sur Marcos the Ninja qu'est-ce qu'on fait à faire d'autre? Alors on a donc je vais vous révéler un petit peu en exclusivité mondiale, je vais vous teaser un petit peu sur nos projets. Attends, calme-toi. Non, pas Gear. Non, pas Gear. Laisse-moi 30 secondes. C'est bon, ça suffit. Non? Ah oui, c'est bon. Oula, oui, il y a des petits bugs encore, hein, bon. C'est bon, je suis ok. Donc on a des projets, donc on en va. Notre prochain let's play quand on aura fini Call of Juarez et. Aïe. Call of Juarez et tout ça. Ça va être sur. On va essayer de faire un let's play en fil rouge, parce que je sais pas si le jeu est très long et long ou pas du tout, je pense qu'il est un petit peu long quand même. Sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord. Donc on a réussi à se l'avoir pour pas trop cher. Ce serait bien mon petit coco que t'avances, merci. Donc sur Le Seigneur des Anneaux, la guerre du Nord, on va faire notre let's play, notre prochain let's play ensemble. Après moi peut-être que j'en ferai des à part. Après moi j'ai plein de choses, j'ai plein d'idées à vous faire partager. Donc on a prévu de faire des gameplays sur pas mal d'autres jeux, pas mal de jeux coop. Après peut-être que Lara va essayer de faire des vidéos toute seule, comme une grande. On va essayer un petit peu là. Elle va s'y mettre un petit peu. Et après moi j'ai un projet d'émission, enfin une espèce d'émission, on va appeler ça comme ça, une émission qui en fait qui sera sur des jeux qui sont sortis entre à peu près les années 97 et 2005, à peu près ce genre d'année-là, des jeux qui sont début des années 2000 ou fin des années 99. Et voilà des bons jeux en fait que j'ai joué quand j'étais plus jeune. Moi je suis pas beaucoup plus vieux, mais enfin bon, je suis un petit peu plus vieux maintenant.
Donc voilà, je ferai des petites émissions comme ça sur des, où je vous présenterai des jeux, je vous ferai découvrir, redécouvrir des jeux que j'ai joués quand j'étais plus jeune et qui m'ont vachement plu, qui m'ont marqué. Et donc il peut y avoir plein de types divers, hein, vous verrez ça au fil des émissions. Après, je voulais faire aussi, j'aimerais bien faire des parties, des aventures suivies sur, sur du Civilization 5 par exemple. On pensait aussi faire en faire une partie, j'aimerais bien faire une partie moi tout seul avec des mods, pourquoi pas. Et une partie, moi avec Lara, tous les deux, qu'est-ce qu'il fait là? J'ai raté. Moi et Lara tous les deux, en coopération en fait contre l'AI, enfin un allié quoi. On avait pensé faire un petit truc comme ça sur Civilization 5 parce que c'est un jeu que j'aime bien. Et ça me plairait bien de faire des vidéos dessus. Après, il y a sur. J'aimerais bien faire du Crusader Kings. C'est Crusader Kings 2, j'aimerais bien faire des vidéos dessus. Sûrement que je ferai une aventure. J'aimerais bien faire une aventure dessus. Un tir dessus. Non, c'est que ce qu'on machin là-bas. Je sais pas ce que c'est. Donc voilà, faire une aventure suivie là-dessus, ça serait bien. Ça me plairait bien, moi. Puis après j'ai plein d'idées sur d'autres choses à faire. N'hésitez pas à me donner des idées aussi, hein, si jamais vous en avez, à me souffler des petites idées. Moi j'ai quand même pas mal de jeux pour le moment. On était atteint. On était là tout à l'heure, enfin l'autre fois là. Enfin, au début de la vidéo j'étais là-haut la base, où j'étais quand j'ai commencé la vidéo. Donc on a fait un petit tour. Et donc voilà. Tout ça pour dire que voilà qu'on a encore pas mal de trucs de prévu. M'a tiré dessus ce PD? Oui, m'a tiré dessus ce PD. M'a tiré dessus ce PD. Aide-moi! Aide-moi du coup, au lieu de te casser. Il va me tuer. Il est passé où? Ah, je l'ai eu! Ah, je l'ai eu! Je l'ai buté! Bon, j'ai plus de munitions du coup. Ça tire. Alors, qu'est-ce qu'il avait sur lui, ce monsieur? Oh, il avait une map, il avait plein de choses. Mais des choses qui ne servent à rien. Je prends les lunettes. Ah, et voilà. Et voilà. Et voilà ce qui peut arriver quand on regarde l'inventaire de quelqu'un qui est mort. On peut mourir. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Je vous ai un petit peu montré des trucs. Bon, je vous ai pas montré grand-chose. Je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu des trucs avant de finir là. Du vrai gameplay parce que là je me suis un petit peu promené, j'ai un petit peu fait des bêtises, un petit peu rien du tout, ça a servi à rien et vous voyez on finit sous le parasol. Ah c'est joli ici, c'est joli, j'aime bien. Enfin c'est un petit peu vide, il manque un petit peu plein de monde, mais c'est joli. Ça change en fait de Tyrannarus, pour ceux qui ont joué à Arma 2, ça change totalement, ils se sont inspirés des maisons. Des Grecs en fait. Là oui, d'accord, je vois où est-ce qu'on est. J'étais mort aussi par ici et pas longtemps. J'ai piqué 100 dollars, c'est énorme. La classe. Et en fait avec les sous, on peut acheter des trucs. Mais bon, là je sais pas s'il y a des PNJ pour pouvoir acheter des trucs. Il y a rien, il y a rien dans la caisse. Alors ça, c'est ballot. Donc on va continuer par là, on va se promener un petit peu dans cette ville pour la fin de cette vidéo. Donc voilà, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue, trop chiante à suivre, que j'ai parlé assez fort. Oui, je sais, je ne parle pas assez fort dans mes vidéos, mais j'y travaille, je fais ce que je peux. Je suis pas quelqu'un qui parle très fort, qui est la voix qui, j'ai pas la voix qui porte beaucoup en fait.
Alors qu'est-ce qu'on a? Bah, je pense qu'on va s'arrêter là, hein, parce que là il n'y a plus grand-chose. À part sauter dans le vide pour dire que c'est la fin de la vidéo. Alors est-ce qu'on peut sauter dans le vide? On va sauter dans le vide, on va faire les oufs. Wahoo! Ah non, on va pas sauter dans le vide. On est bloqué, on est bloqué. Boum! Alors, est-ce que je peux aller dans le bois? Voilà. Ah oui, ça y est, je me suis en mode mis en mode marin. Vous voyez, on peut plonger. Alors, je sais pas si là on peut le faire. Ouais, on peut le faire. Et on va mourir par noyade pour cette fin de vidéo. Regardez le. En fait, ils ont fait le fond marin. C'est sympa ça. Ça fait partie des nouveautés. On va partir à la brasse. Sur le soleil couchant. Ouais, c'est joli quand même. Hein. C'est sympa. Hein. On a pillé ici. Tiens. Regardez, on peut voir les poissons. On va tirer sur les poissons. On peut pas tirer là. On peut pas se baisser ici. Non, on peut pas. On peut pas, on se relève automatiquement. Ça aurait été rigolo de tirer sur les poissons. Bref. Mais de toute façon, il y a toute une flore et une faune. On va regarder un petit peu les fonds marins. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je sais qu'à certains endroits, là, on voit dans la mission solo, il y a un bateau qui est sous l'eau et tout. Bon, là, en fait, je pourrais pas aller trop longtemps sous l'eau parce que j'ai pas d'appareil de respiration sous-marine. Mais on peut en trouver. Dans une mission de test, on va dire, il y en a une, donc enfin il y en a, y a une combinaison de plongée ou donc ça pourrait être sympa, explorer les fonds marins, faire des batailles marines parce qu'on a des flingues qui sont exprès qui vont sous l'eau. Ça tire. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour cette vidéo. Hein. Je vais vous laisser sur ce joli petit village, ce joli soleil. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous ferai sûrement d'autres vidéos de d'Arma 3, on verra par la suite. Voilà, donc merci de m'avoir écouté et regardé, merci à vous. Oh, il y a un sac avec des sous là-bas, je le vois de loin, il y en a un deuxième, on dirait des patates géantes. Ouais, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci de m'avoir regardé, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, enfin si vous voulez, mettre un j'aime pour me soutenir, mettre un petit commentaire aussi si vous voulez. Et abonnez-vous si ce qu'on fait, ça vous plaît. Voilà, merci de m'avoir écouté. Allez, ciao!